Encore. Ah, bonjour Richardson. Bonjour Milady. Le petit déjeuner est servi. Merci Richardson. Ce pauvre Sir Douglas était encore de travers. Il penche, Milady, comme d'habitude. Ah, c'est un homme qui n'a jamais été capable de tenir d'aplomb sur un cheval, même en peinture. Les autres vont à la chasse ce matin, vous êtes au courant? Oui, Milady, les sandwichs sont prêts. Merci. Bonjour, William. Elle a dit quelque chose. Bonjour, William. C'est ça que j'ai dit. Elle m'a dit tous les matins, bon Dieu. Et foutu me dit tout de même. Ça va, chérie? Ça va, mon général. La soupe est bonne. Tiens, il y a une lettre pour toi. Mmh. Puis-je me retirer, Sir William? Non, mais vous êtes chez vous, mon Dieu. Merci d'être venu. Ouvrez-vous bien, surtout. Je te signale que c'est Richardson, notre maître d'hôtel. Bien sûr que c'est Richardson. Il a été mon ordonnance pendant toute la guerre. Dunkerque d'abord, puis Fourbi, en Afrique, avec le vieux Monty. Un type formidable. Richardson? Oh, Monty! Et l'autre, là, le type d'en face, c'est pas un manchot non plus. Comment déjà? Rommel! Rommel! Ils ont fait une vachement belle partie dans le sable, tous les deux. Mais tout ça est écrit dans mes mémoires. Oui, oh, je sais, chérie. L'ennui avec les généraux, c'est que dès qu'ils ont fini une guerre, ils la racontent. Quoi? Il l'a fait! Que le diable l'emporte! Je me demande de qui ça peut être. Mon propre fils. Aplati comme une crêpe devant tous ces morveux de l'hôtel de ville. Lui, un Belmont. Oh, il n'a pas dit un mot, pas un, plus muet qu'une carpe dans une assiette. Que Dieu lui pardonne. Parce que moi, je ne lui pardonnerai pas. C'est de Gérald. Nous invite à déjeuner lundi chez lui. A tuer un chevreuil, le bougre. Alors, nous irons. Hein. Lundi? Tu iras si tu veux, mais sans moi. L'absurde. Pourquoi? Parce que je serai morte. Hein? Ah oui, c'est vrai, oui. Toujours ta foutue idée. Mais je t'avais prévenu il y a 3 mois que tant que je serai vivante, les bulldozers de cette morveuse de municipalité ne mèneraient pas 5 chenilles dans le parc historique des Belmont. Pour y faire passer cette autoroute de malheur. Mais ça, j'ai pas une autoroute, bon Dieu, tout juste un petit bout de bretelle, grand comme ça. Et puis, c'est pas encore fait. Mais si, si, c'est écrit en toutes lettres dans le journal, tiens, voilà. Les travaux commenceront lundi matin à 8h30. Eh bien, lundi matin à 8h pile, il n'y aura plus de Lady Belmont. Ah ben, je vois des petits déjeuners en perspective, on voit ça d'ici. Tu t'en prendras à Hubert. Notre fils nous a trahis, William. Il y avait une dernière réunion hier à l'hôtel de ville et il n'a pas ouvert la bouche pour protester. Et il est député. Foutu métier! Le futur Lord Belmont s'est déculotté, comme aucun mâle de la famille ne l'avait fait depuis 800 ans. On ne coulera pas du béton sur mes fleurs et on ne jettera pas mes arbres par terre. Et surtout pas l'arbre de Tim Carson. Est sacré, celui-là. Sacré, oui. Mon premier souvenir d'amour y est toujours accroché. Ah, j'aimais bien grimper dans mes branches de cet érable. Mais ce jour-là, j'étais montée trop haut. Je n'ai plus osé redescendre, je me suis mise à pleurer. Et voilà le foutu kangourou qui s'amène sur sa foutue bicyclette. Oui. Oh, je ne savais pas encore qu'il était australien. Je le voyais pour la première fois. J'ai crié, il s'est arrêté et il a franchi la haie d'un seul bond. Oh, tout à fait banal pour un kangourou, chérie. Il n'y a pas de quoi tirer un feu d'artifice. Il avait les cheveux blancs comme la paille et des taches de rousseur partout. Il s'est installé sur ma branche, il m'a regardé en souriant et il m'a embrassé. Oui, ce type est le plus grand coup de pied au cul qui se soit jamais perdu dans la région. Allons, général, ne te plains pas. Reconnais que j'ai été une bonne épouse. Ah, la meilleure. C'est écrit dans mes mémoires. C'est bête, mais je crois que je ne t'ai pas regardé avec autant d'émotion depuis 1945. Ben, il s'est passé quelque chose de spécial en 1945. Nous nous sommes mariés. Oh, vu. Ah,
Tu vas me manquer terriblement. Dans ta tombe? Mais à qui la faut une vraie connerie, ton truc? Alors c'est sûr, tu vas vraiment le faire lundi matin? Oui. Oh. Alors je ne me couperai pas la tête si c'est ce que tu veux dire, William. Non, non. Je ferai ça autrement. C'est difficile dans ces conditions d'aller déjeuner dehors. Mais qu'est-ce que je vais lui dire à Gérald? Il attend ma réponse pour faire mariner le chevreuil. Mais c'est tout de même délicat de lui téléphoner le samedi que lundi matin, je serai veuf. C'est un vieux copain, Gérald. Il m'a sauvé la mise en 42 devant Tripoli. Toute ma brigade blindée à court d'essence, le cul à la mer. Et voilà que ce foutu teuton lance ses Panzer sur mon flanc gauche. Dieu merci! Dieu merci! Le vieux Gérald croisait justement au large avec ses destroyers. Tu lui téléphones? Non, non, radio! Il n'y a pas de téléphone sur un char de oui, enfin bref, tu lui demandes de pointer en vitesse les pétoires de ses rafiaux dans la bonne direction. Le maudit teuton laisse un tiers de sa ferraille sur le terrain et on te décore la croix de Victoria pour panne d'essence géniale. J'aimerais bien raconter ma guerre moi-même, bon Dieu. Bonjour tout le monde. Oh, celui-là, c'est pas possible. Belle journée. Pas un souffle de vent, le gibier sera sourd. Hein? Qui est sourd ici? Oh, pardon, papa, le gibier, je me permettrai pas. Bonjour, maman, bien dormi? Bonjour, Hubert. Non, je n'ai pas bien dormi. Ah. Mais je dormirai mieux la semaine prochaine. Bravo. Et Sabine est déjà descendue? Pas vu. Oh, cette gosse s'habille comme un singe et il lui faut plus de temps qu'à la reine de Saba. Maud sera là dans 5 minutes. Il y a quelque chose de neuf dans le journal, papa? Rien vu de neuf dans un journal depuis 1945. On parle de la réunion d'hier soir à l'hôtel de ville? Mauvaise question, fiston. Aurait mieux fait de la boucler. Ah. On en parle, oui. Il paraît que tu as ôté ton pantalon devant tout le monde. Félicitations. Ôter mon pantalon, il dit ça? C'est moi qui le dis. Ah bon? On était en train de nous dépouiller et tu n'as pas dit un mot contre cette maudite bretelle. Désolé maman, mais ça n'a servi à rien. Le vote d'hier était acquis d'avance et il a été unanime. J'ai choisi de répondre par un silence désapprobateur et plein de dignité. Alors il fallait faire un discours. Oh, mais pour dire quoi? Ça! Que tu choisisses de répondre par un silence désapprobateur et plein de dignité. Vous ne pourriez pas parler un peu moins fort? Écoute, maman, sur les 11 hectares du parc, on va prendre à peine 7000 petits mètres carrés de rien du tout. Et vous toucherez une indemnité tout à fait confortable. Mais tu la toucheras, toi. Judas a bien touché la sienne. Oh, maman. Quand je pense que tu aurais été le premier Belmont à supporter sans broncher qu'on mutile ton patrimoine, bravo! Voyons maman, on ne mutile pas, on les gratine! C'est la même chose! Tous nos ancêtres sont nés sur cette terre, oh. Et beaucoup ils sont morts! À commencer par Sir Douglas qui est tombé ici le soir même de la bataille! Oui, Jean, je sais, je suis au courant. Complètement crevé le bougre, devait ronfler sur son cheval, est tombé dans la mare aux canards avec son armure, et a coulé comme un vieux bidon, là. Glou, 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 glou. Mais en tout cas, il est mort pour quelque chose en quoi il croyait. Ouais, il n'avait pas le choix, remarque. Il savait pas nager. Mais remets-le d'aplomb, chérie, il penche encore. Et toi, tu t'en fiches? Mais pas du tout, je suis désolé. Mais ça n'a rien à foutre avec la bretelle, bon Dieu. Je t'ai déjà interdit d'être grossier quand nous ne jouons pas au bridge. Oh, pardon, maman, pardon. Mais enfin, pourquoi refuses-tu d'être raisonnable? C'est un mauvais moment à passer, bien sûr, mais enfin, tu as l'habitude. Oh, rassure-toi. Je ne serai pas là pour le passer. Ah bon, tu vas en profiter pour aller faire un tour. Voilà. Ah, dis donc, j'organise Londres lundi matin avec Maud et Sabine vers 9h, si ça t'amuse de venir avec nous. Non, merci. Je serai partie à 8h. Mais il n'y a pas de train à 8h. Je n'aurai pas besoin de train. Mais tu n'as tout même pas l'intention d'être premier à pied dans la campagne. Enfin, maman, tu sais que tu n'es pas complètement remise de cette fracture à la jambe. Je n'aurai pas non plus besoin de jambes. Bon, alors là, je vais essayer de comprendre. Je vais avoir du mal, mais enfin, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai tout de même fait des études. Alors, où diable vas-tu lundi matin? William! Oui? Veux-tu dire à Hubert ce que je vais faire lundi matin? Moi, ça me gêne un peu. Lundi matin! Quick! Quick quoi, Quick? Va se supprimer! Se supprimer? Tu veux dire qu'elle va se tuer?
Maman? Oui, fiston, ta mère, ma femme, la belle-mère de ta femme, la grand-mère de ta fille, tout ça va partir en même temps. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas autant ri. Oh, rudement bien amené comme blague. Dis donc, maman, tu l'as déjà faite à Richardson? Non, pas encore, je ne peux la faire qu'une fois. Moi, attends, moi, surtout, je veux être là. Oh, je le vois d'ici, moi, à genoux, les mains jointes. Milady, au nom du ciel, ne faites pas ça. Oh, et Maud, la tête de Maud. Oui, il n'y a qu'avec Samy que ça m'ennuie un peu. Elle est encore un peu jeune pour encaisser correctement ce genre de blague, tu sais. Désolé, Hubert, ce n'est pas une blague interdite au moins de 18 ans. Oui, enfin, ne pousse pas trop avec elle quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, toutes les deux, tous les dimanches, c'est pareil, c'est invraisemblable. Oh, dis donc, papa, tu nous accompagnes à la chasse? Demande ça à ta mère. Ah, c'est une très bonne idée, tiens. Tu suivras la chasse dans la voiture d'Hubert, ça te fera beaucoup de bien. Et là, et qui conduira? Bah, ton père, évidemment. Oh, nom de Dieu. Mais te fais pas de bile, fiston. J'ai déjà conduit des chars d'assaut. Mais c'est que justement, ce n'est pas un char d'assaut, papa. Elle est même pas complètement rodée, cette voiture. Oh, rassure-toi, elle le sera. Ah, Richardson, le général va suivre la chasse avec tout le monde. Alors, priez votre femme de préparer quelques sandwichs supplémentaires. Quelques sandwichs et une bouteille de quelque chose pour me faire la conversation. Quelque chose de musclé, hein. Alors, fourrez tout ça dans la bagnole du fiston. Entendu, Sir William. Je mettrai la bouteille dans la voiture de Monsieur Hubert. Mmh. Oh, pardon. Monsieur Petticoat a téléphoné Milady. Il a dit qu'il apportait tout de suite le paquet pour Milady. Très bien, merci Richardson. Petticoat, mais j'espère qu'il ne s'agit pas du croque-mort du village. Bah, si. À qui veux-tu que je demande des échantillons de bois pour mon cercueil? Ah non, maman, là, je trouve que tu vas un peu loin. Tu as entendu ça, papa? Mais entendu quoi? Je suis sourd. Maman a demandé à Petticoat de lui apporter des échantillons de bois pour choisir son cercueil. Absurde. Ne regarde pas le cercueil de Petticoat. Non, pour choisir son cercueil à elle. Enfin, maman, mais réfléchis. Petticoat est un vieux pochard. Il va leur raconter ça dans tous les bistrots de la région. Non? Bon, très bien. Je lui dirai que c'est pour une de mes amies. Ah, ben, je préfère. Bonjour tous. Ah. Belle journée. Bonjour, Maud. Bonjour, mon petit chaperon rouge. Et donc, tu as vu sa bille? Non, mais elle n'est plus dans sa chambre. Eh ben, c'est déjà quelque chose. Ah! Qui chasse ce matin? Tout le monde, sauf moi. Dans ces conditions, mère, vous voudrez bien vous occuper un peu de Simon. Il ne chasse pas, lui non plus. Mais bien sûr. Ah, qui est-ce, au fait? C'est le jeune homme qui a de si beaux cheveux et qui est arrivé hier soir avec nous. Oui, ça je sais. Non, je demande simplement ce qu'il est dans la vie. Ah, rien. Il est journaliste. Foutu métier. Pas même journaliste, photographe. Photographe de presse, c'est la même chose. Photographe de presse, mon œil. Un malheureux pigiste, voilà ce qu'il est. Il prend des photos de n'importe quoi, n'importe où, et il cavale ensuite les cheveux au vent pour essayer de les refiler aux journaux. Ah, et il appelle ça une profession. C'est à mourir de rire. Mais c'est un très bon exercice, en tout cas. Il a un drôle de genre. Vous êtes sûr que c'est un garçon? C'est le fiancé de Sabi, père. Oh non, elle n'aurait jamais commis une erreur pareille. Mais doucement. Il dit, il pense, il suppose, il suppute qu'il est le fiancé de sa vie, mais il n'est pas le fiancé de sa vie. Mais il aimerait sûrement lire mes mémoires, le bougre. Mais je suis même persuadé, père, qu'il pourrait vous dénicher un éditeur. Oh, mais c'est intéressant, ça. Ah ouais, d'après sa vie, c'est un garçon terriblement entreprenant qu'on a toutes les peines du monde à faire rester tranquille. Oh, bah, il veut dire par là, naturellement, qu'il aime bien s'occuper. Une sorte de touche-à-tout, quoi. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu. C'est le journal du matin. Ah, oui, laisse tomber, tu veux. Mon Dieu, pourquoi, il y a une mauvaise nouvelle. Aucune. Sauf qu'un certain député conservateur, appartenant à une des plus anciennes familles de ce pays, a ôté son pantalon hier en plein hôtel de ville. Et voilà, c'est reparti. Le député, c'est moi, naturellement. Hubert, pourquoi tu fais ça? Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait. Maman estime que je l'ai fait parce que je n'ai pas brisé les vitres hier soir à propos de cette histoire de bretelles. Oh, bon. Oui. D'après elle, j'aurais dû sauter sur mon cheval, enfiler mon armure et livrer bataille comme Sir Douglas Saint-Jean. Sale histoire. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Il devait ronfler sur son cheval, est tombé dans la Marocana avec son armure et a coulé comme un vieux bidon. Glou 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 gl
Monsieur Petticoat vient d'apporter le paquet, milady. Ah, très bien, merci Richardson. Offrez-lui un verre. Et si vous rencontrez Mademoiselle Sabine, prenez-la par la peau du cou et balancez-la dans l'escalier, vous serez gentil. Bien, monsieur Hubert. Ah, autre chose, Richardson. Préparez-vous à creuser un trou dans le parc. Je voudrais qu'il soit prêt lundi matin. Bien, milady. Quel genre de trou souhaite milady? Mon Dieu, quelque chose de rectangulaire, d'environ 2 mètres de profondeur. C'est ce qui se fait d'habitude, non? Oh, on peut pas rêver mieux, maman. Milady ne trouve pas que c'est peut-être beaucoup pour un massif de tulipes? Non, il n'est pas question de tulipes. C'est pour moi. Milady me pardonnera, j'avais mal compris. Une sorte de tombe, en somme. Non, pas une sorte de tombe. Ma tombe. Pour lundi matin, très bien, milady. Voilà. Avez-vous vu ça? Pas bougé ainsi, le lobou. Encore a servi dans la 3e brigade blindée. Elle a la main, Tripoli. Eh bien, la 3e brigade blindée vient de s'évanouir dans le couloir, papa. Pas de bon, Richardson. Ça va. Rien de cassé à part le bal chinois. Mon Dieu, en route. Oui, Sabine. Ben, Sabine, oui. Tu te souviens que nous avons une fille. Nous n'attendons plus qu'elle pour aller à la chasse. Chasse. Oui, chasse. Pam. M'a tout l'air d'avoir un plan de sauter. Oh, papa, je t'en prie. Ah, mais c'est ce que je dis. La tombe. Le trou dans le parc. Mais c'est une blague, voyons. Maman, dis-lui que c'est une blague. Elle le verra bien. Je ne veux pas. Mais ne sois pas idiote, voyons, mon chéri. Mais enfin, c'était pour rire. C'était pour faire marcher Richardson. Oui, tomber. Hein? Oui, tomber, Richardson. C'est fini, maintenant. Oui, est tombé. Pouf. Lundi matin. Non, pas ça. Pas lundi matin. Tout et pas lundi matin. Oh non, ça n'est rien, pas question. Vraiment, lundi matin. Elle doit avoir un essayage. Oh, mais c'est pas un plomb. C'est ton compteur qui a sauté. Acajou de Bornéo. Ah. Et qu'est-ce que tu en penses, Hubert? Ah non, maman, ça suffit. Oh, tu es idiot. Et toi, William? Donc ça sinistre. Alors attends. Cèdre du Liban. Ça doit être bougrement cher, oui. Oui, certainement. Oh, d'ailleurs, j'ai peur que ça fasse vraiment très snob. Bon, alors, chêne verni d'Irlande. Foutu pire. Longtemps qu'on aurait dû leur lâcher le vieux Monty aux fesses. Bien, moi, je dirais ça à tête reposée. Maintenant, tu vas te préparer pour aller à la chasse, chérie. Tu vas mettre ta grosse veste fourrée. Ce n'est pas le moment d'attraper un rhume. Je descendrai même pas de voiture. Oh, Monty. Oh, si. Tu en descendras certainement pour chasser la cerise à l'autre vie. Bon, alors toi, téléphone au vieux Gérald. Enfin, ce sont tes affaires, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je dise au vieux Gérald? Ah ben, je ne sais pas. Eh bien, dis-lui adieu. Oui, non, s'il te plaît, maman, je t'en supplie. Sur ce que j'ai de plus sacré, dépêche-toi, n'est-ce pas? Dépêche-toi. Et toi, maman, ne laisse pas traîner ces horreurs. Le pigiste va descendre. Eh bien, il se prend pour un journaliste. Il pourrait poser des questions. Enfin, est-ce que tu te rends compte de ce qui arriverait? Si c'est histoire idiote, vous n'êtes à sécurité. Histoire idiote. Ah, je suppose que tu parles de la mort de ta mère. Ah, maman, je t'en prie. Eh bien, je vais te dire ce qui arriverait. Je perdrai mon siège. Tu as déjà perdu ton pantalon. Eh bien, je perdrai mon siège par-dessus le marché. Et je perdrai du même coup une grande partie de mon prestige aux yeux de Maud. Oui, parce que, curieusement, elle m'admire, figure-toi. Ravie d'apprendre que quelqu'un t'admire, mon chéri. Oui, et voilà celle que tout le monde attendait, la radieuse Sabine. Salut, papa. Oui. Oh, mais c'est pas croyable ce que ta mauvaise mine. Mais bon, dis donc, toi. Alors toi, en revanche, mamie, tu m'épateras toujours. Il a pas dû s'orbiter, le général? Pas une minute, chérie. Le maréchal Montgomery et moi avons fait de notre mieux pour le distraire. Il a dormi? Ah non. Oh non, trop de problèmes, trop de soucis. Ça tourne dur là-dedans, si tu savais. Ah, alors voilà une bonne nouvelle. Et maintenant, deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de s'habiller? On va à la chasse, non? On va à la chasse, oui. On va pas visiter les égouts. Ensuite, d'où viens-tu? Je suis allée réveiller Simon. Quoi? Alors maintenant, tu vas réveiller les garçons dans leur lit? Oh, bravo, ma petite fille. Oui, oh, c'est pas tellement marrant, tu sais. Hein. Ça grogne, ça baille, ça s'étire. Ça se gratte. Oui, eh ben nous en reparlerons à la maison, hein. Je te donne 10 minutes pour finir le déjeuner. Mon Dieu. Quand je pense qu'il y a des millions de types qui attendent le samedi pour se détendre, c'est pas vrai. Ça m'arrive à moi, c'est pas vrai. Non, rudement nerveuse, pauvre papa. Je te parie qu'il va encore nous tuer un veau. Dis-moi, ma chérie, ce jeune homme que tu es allé réveiller dans son lit, j'espère que tu l'aimes. Tu sais, mamie,
Une fille d'aujourd'hui ne dit plus d'un garçon qu'elle l'aime ou qu'elle l'aime pas, c'est nul. Non. Il la branche ou il la branche pas. Ah. Oui, c'est tellement plus simple. Bon, alors, il te branche. Vous êtes branché. Hyper branché. Oh, je sais bien que papa lui reproche deux ou trois trucs, mais je m'en fiche. Quel genre de truc? Oh, ses cheveux longs, son métier, ses copains, sa façon de penser, de s'habiller, de voter, de s'exprimer, de vivre. Oui, rien de grave en somme. Il lui reproche même sa voiture, alors là c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'il a donc comme voiture? Oh, une super merveille. Une Torpedo Daimler 1915 8 cylindres avec des gros coquelicots sur toute la carrosserie. Oh, je voudrais que tu la vois. Je la vois, chérie, je la vois. Et toutes les filles rêvent de monter dedans. Enfin, tu penses bien que c'est pas pour ça que je vais épouser Simon. Je l'épouserais même s'il roulait dans une Rolls. Mais dis-moi, ma chérie, vous dites toujours épouser? Ben oui, en attendant mieux. Mais t'inquiète pas, on cherche. Ah, oh, merci, merci, ma chérie, de m'avoir fait ces confidences. Elles me rassurent. Je vais pouvoir partir tranquille. Tu t'en vas? Oui, je me tue lundi matin. Oh non, mamie, cherche pas à me faire peur. C'est une blague, hein? Oh, tu me crois capable d'en faire d'aussi mauvais goût? Mais non, bien sûr, mais je te connais, tu es têtue. Hein? Dis, tu vas pas me faire ça, hein? Des grand-mères comme toi, c'est introuvable. Oh, merci, chérie. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Bon, grand-père est complètement fêlé, d'accord. Enfin, depuis le temps que tu le trimbales, t'as dû t'y habituer. Écoute, chérie, je ne voudrais pas te quitter sur un malentendu. Que William soit fêlé, ça ne fait aucun doute. Je peux même ajouter qu'il plafonne et qu'il ne fera jamais mieux. Mais il me branche, chérie. Comme aucun homme n'aurait jamais pu me brancher. Bon, mais alors pourquoi? Pour protester. Pour prouver à ce morveux de ministre des Transports que Lady Belmont ne s'incline pas. Elle se casse. Ah bon? Mais c'est à cause de la bretelle. Alors. Qu'on casse, quoi? Tu chimales? Je ne parle pas la bouche pleine. Oh, moi je trouve ça géant! La grande bonne femme de la famille, voilà ce que tu seras, mamie. Tiens, je te jure que t'auras ton portrait là, à côté de celui de Glouglou. Ah, je t'envie, tu sais, hein. Oui, on n'en fait pas trop, chérie, y'a vraiment pas de quoi. Ah, hein. Oh, tu as encore faim? Ah bah non, hein, tu m'as coupé l'appétit, là. Tu vas en profiter pour rejoindre ton père, il doit commencer à repousser les babines. Oh là là, t'as raison. Bon, écoute, d'ici lundi matin, on aura le temps de reparler de tout ça. Allez, à ce soir, mamie. T'es quelqu'un, tu sais, hein. Super. Mon Dieu! Il n'y avait qu'un seul être normal dans cette famille. Et il va disparaître. Pauvre Jean. Gershwin. Ah, Rams. Manquez. Pas de beaucoup. Un petit siècle. Bonjour Simon. Bonjour. Vous vous souvenez de moi, hein? J'étais là hier soir quand vous êtes arrivé avec les autres. Je suis la grand-mère de Sabi. Oh, mais vous pourriez être sa mère, vous savez. Oh. Ah si si, sans blague. Ça va? Ben ça allait, enfin ça ira. Bon. Vous désirez peut-être prendre quelque chose? Bah oui, mais quoi, c'est le désert, dites donc. Ah, Sabi vient juste de sortir. Ah ben ça se voit, c'est un vrai nuage de sauterelle, cette nana. Oui, ça je crois qu'il faudra que son mari se débrouille pour se lever avant elle. En attendant, je vais voir si Richardson peut vous dépanner. Mais qui c'est le type qui penche, là? Sir Douglas Darlington, 7e du nom. Oh, mais oui, je vois, Sabi m'a raconté ce truc. Alors c'est lui, Glouglou? C'est lui. Oh, il a une bonne tronche. Bon, et la mienne, vous la trouvez comment? Votre... Bah, ma tronche. Oh, très bonne également. Agréable. C'est vrai? Vrai, vrai. Vous avez des cheveux magnifiques. Ah, ce sont ceux de ma mère. Pardon? Ah, non, enfin, je veux dire qu'ils sont pareils, quoi. Ah. Bon, en somme, dans l'ensemble, je vous plais. Mais oui. Eh ben, ça tombe bien, je vais épouser Sabi. Ah, quand? On va pas ce matin, bien sûr. Non, il faut d'abord que je me farcisse le père. Non, mais il peut pas me sentir. Chaque fois que je viens chercher sa vie chez elle, il se met à grogner en tirant sur sa laisse. Oh non, il est vraiment pas marrant, je vous jure. Hein. Non. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouf, question délicate, Simon.
C'est mon fils. Oui, c'est vrai. Oh, pardon. Milady a sonné. Que Milady me pardonne de me présenter ainsi. J'étais justement en train de creuser la tombe de Milady. Désolé de vous avoir interrompu, Richardson, mais il s'agit avant tout d'empêcher ce jeune homme de mourir de faim. Je présente mes respects à monsieur. Monsieur peut compter sur moi. Attendez, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Que vous pouviez compter sur lui. Mais non, avant, il a pas dit qu'il était en train de creuser une tombe. Si, si, pourquoi? C'est idiot, mais j'ai cru entendre la tombe de Milady. Exactement. Oh, bah remarquez, c'est un nom amusant pour une chienne. Quelle chienne? C'est pour moi. Quoi, vous ne voulez pas dire que c'est votre tombe que ce type est en train de creuser? Si, si, dans le parc. Je me tue lundi matin. Ah, merci Richardson. Je souhaite bon appétit à monsieur. Milady n'a plus besoin de moi, je peux y aller. Allez-y. Question emplacement. J'ai pensé que Milady aimerait peut-être que je l'installe au milieu de la pelouse qui borde le jeu de croquet. C'est orienté est-ouest. Ah oui, 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 comme ça je pourrais voir toute la maison. Oui, c'est une excellente idée, Richardson. Je remercie, Milady. Ah, c'est pas parce que ça tient, Marge. J'ai beaucoup moins faim que tout à l'heure. Oui, ça vous gêne peut-être que quelqu'un vous regarde manger. Bon, attendez, je vais vous faire un peu de musique. Vous voulez que je vous joue la marche de la 3e brigade blindée? C'est bien. William l'adore. Oh là, d'accord, je vois. Non, j'aime mieux Brahms. Affaire de goût. Que Milady m'excuse de la déranger, mais il y a un hic pour le trou. Pardon? Enfin, un embêtement. Ma périarthrite scapulo-humérale, Milady. Elle s'est réveillée au premier coup de pelle. Impossible de continuer. Oh, c'est ennuyeux, évidemment. Mais nous allons pouvoir arranger ça très vite. Je suis sûre que Monsieur Horton Green se fera un plaisir de vous remplacer. Quoi, moi? Milady Belmont, vous parlez pas sérieusement? Je suis le fiancé de sa vie. Eh bien... Mais enfin, réfléchissez. Jamais elle accepterait d'épouser l'homme qui... Enfin, pourrait creuser la tombe de sa propre grand-mère. C'est du Shakespeare. C'est plutôt un bon auteur, non? Allons, Simon. Débarrassez-vous de ces vilains préjugés littéraires. Et puis, je vous tiendrai compagnie. Hein? Nous bavarderons. Oh non, mais c'est pas possible. Je rêve. Oui. Bon. Eh bien, je le ferai moi-même, hein. Ça aurait pu être du Shakespeare, ce sera du Frankenstein, voilà tout. Mais c'est horriblement fatigant de creuser sa tombe. Milady va se tuer. Eh oui, là ça me fera un bon début. Bon, ça va, je m'en charge. Ça se passe où? Monsieur verra l'appel, c'est là. Le temps de terminer une lettre et je vous rejoins. Ah, Richardson, apportez-nous du thé bien chaud. Merci, Simon. Je n'oublierai jamais. Moi non plus. Quelle drôle de génération, Richardson. Ils rêvent de nous enterrer, et quand on leur en donne l'occasion, ils font la tête. Sir William, et la chasse? Je suis tombé en panne, mon vieux. Cette foutue voiture s'est mise brusquement à fumer. Une vraie cochonnerie, même pas capable de traverser un champ de maïs. Dites-moi, qui c'est le type qui s'agite là? Monsieur Horton Green, il est en train de creuser la tombe de Milady. Je n'ai pas pu à cause de mon épaule. Ah, la jolie coup de pelle, il va finir par se prendre les pieds dans ses cheveux. Il aurait dû se faire un chignon. Ah, je suis bien embêté avec la somme. On doit être encore sous garantie, cher William. Je vous parle pas de la voiture, je vous parle de ma femme. Pardon. Elle commence à m'inquiéter vachement avec son truc de lundi matin. Alors, au début, je croyais qu'elle était seulement de mauvais poil, mais maintenant, les échantillons, le croque-mort qui vient prendre le thé et le zigoto à crinière avec sa pelle. Comment déjà? Monsieur Horton Green, c'est le fiancé de Mademoiselle Sabine. Il serait peut-être temps que je m'occupe de tout ça, non? Grand temps, Sir William. Si jamais le débellement disparaissait. Non, pas question. Non. Le veuvage, c'est bon quand on est jeune. Parfait. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'une contre-attaque. Allez me chercher, Brodoline. Enfin, le type à l'appel. Monsieur Horton Green, tout de suite, Sir William. Bonne chance, mon général. Merci.
allô, allô, Gérald. Oui, ici, William. Oui, le chevreuil. Ah, ah oui, ah, ah bah, bah, bravo. Ah, ça, si. Mais, ben, bah, voilà, te téléphone pour ça, justement. Voilà, ça, ça accroche. Eh non, eh bien, je ne sais pas si je serai libre lundi matin. Ah non, rien de grave. Non, non, le genre, obligation familiale. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Eh ben non, eh non, impossible de le savoir avant lundi matin. Dis-moi, et si tu faisais simplement rôtir, hein, parce que c'est bon aussi, froid. Hein? Bon, eh ben, entendu comme ça. Voilà, te téléphone lundi matin, 8h pile. Hein? Merci, vieux. Monsieur Horton Green est là, Sir William. Horton Green, lady. Oui, Sir William. Horton Green. Alors, Horton Green. Horton Green. C'est bon. Allez, envoyez. Bonjour, monsieur Bandoline. Oh, je suis ravi de vous voir. Moi également, monsieur, bonjour. Je vous prie d'excuser ma tenue, mais j'étais en train de... Je suis au courant. Vous étiez en train de creuser la tombe de ma femme. C'est tout naturel. Tournez-vous un peu pour moi. Que je me... Hein? Ben, c'est la deuxième fois que je vois des cheveux pareils. Je crois bien que la première fois, c'était dans un film d'épouvante. Vous n'avez jamais servi dans les chars d'assaut, hein? Ah non, monsieur, non. Ah, dommage, parce que vos cheveux, hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Très bien, oui. J'ai l'impression d'entendre parler mon grand-père. Vous avez un grand-père? Oh, mais c'est bien ça, mon garçon. Et qui c'est, votre grand-père, hein? Eh ben, mon grand-père maternel, le général de Gaulle. De Gaulle? De Gaulle, de la deuxième aéroportée? Mais oui. De Gaulle, tête de l'art. Oh, ça, je ne sais pas, monsieur. Enfin, le général Sir Walter Gordon de Gaulle. Mais oui, c'est ça, tête de l'art. C'est lui, sacré vénard. Oh, un bougre de grand-père que vous avez là. M'a sauvé la mise devant Gaza. Vous fiche mon billet que vous épouserez sa vie, mon garçon. Ça, j'en fais mon affaire. Asseyez-vous. Oh, bah, merci beaucoup, monsieur. C'est drôlement gentil. N'importe le thé, Sir William. Du thé, mais j'ai pas demandé du thé. J'ai déjà bu du thé. Allez, videz tout ça dans la mémoire. Allez. Bien, Sir William. Qu'est-ce que c'est déjà votre prénom? Salomon, hein? Ah, non. Simon. Si, alors, je vais vous faire goûter mon brandy personnel. Alors, vous verrez, alors, pas du tout le même tonneau. Hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est déjà votre métier? Vous n'êtes pas journaliste, enfin, quelque chose comme ça? Oui, enfin, photographe de presse. Ah oui, et ça consiste en quoi, au fait? Eh ben, à prendre des photos d'actualité. Oui, et puis à les vendre ensuite à des journaux. Visite officielle, grand mariage... Enfin, bien sûr, ce qui est le plus demandé, c'est la catastrophe. Seulement, voilà, il faut être là au bon moment. Eh oui, au bon moment. Lady Shella Belmont appuyée sur une pelle et debout au bord de sa propre tombe. Ça vous irait, hein? En robe noire, avec un châle de dentelle sur les cheveux, un beau regard tragique de veuve de matador. C'est attractif, non? Non, vous plaisantez, là. Vous avez oublié votre appareil. Non, mais non, je dors avec, monsieur. Mais enfin, Lady Belmont n'accepterait jamais. Vous avez déjà vu une femme qui refuse de se faire photographier? Vous n'aurez qu'à lui dire que c'est pour votre album personnel, souvenir de famille, pour montrer à vos petits-enfants. Et elle ne peut pas refuser. Attendez, là. Mais oui. Mais oui, en fait, ce que vous espérez, c'est quand vous éclatez le scandale, vous mettrez le ministre des Transports dans l'obligation d'annuler son projet de bretelle. Mais vous êtes malin, mon général. Vous savez que vous n'êtes pas bête, vous non plus. Alors, je marche. Oh, dans mes bras, Salomon. Oh, non, Simon, monsieur, Simon. Maintenant, exécution. Il s'agit d'abord de finir le trou. Ah oui, le trou. Il faut absolument que la photo paraisse dans les journaux de dimanche. C'est pas trop tard, j'espère. Ah non, si je suis à Londres avant 4 heures, c'est dans la poche. Non, mais il y a un train. Oh, vous payez un hélicoptère. Non, je pense qu'un taxi suffira. A tout de suite, à tout de suite. Tiens, William. Mais tu es déjà de retour de la chasse, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais envie de te revoir, chérie, et puis je voulais aussi poser quelques questions à ce garçon au sujet de sa vie. Au sujet de sa vie. Mais pour lui dire quoi? Eh bien, il a l'intention de l'épouser. Je suis le grand-père tout de même. Oh oui, décidément, mon pauvre Simon, vous avez passé un week-end épouvantable. Mais pas du tout, les nouvelles, au contraire.
Je suis ravi, moi. Bon, ben maintenant, si vous le permettez, je vais aller terminer mon trou, hein. À tout à l'heure. Allez. Il a vachement dynamique, hein. Tu sais qui c'est? C'est le petit-fils de tête de l'art. De Gann, de la deuxième aéroportée. C'est son grand-père. Oh, pauvre Sabi. Elle va finir par faire des enfants de troupe. Alors là, je trouve qu'il exagère, je ne lui en demandais pas tant. Mais il fait quelque chose de spécial. Il chante en creusant ma tombe. La première sonnerie, monsieur Hubert. Oh, je sais, Richardson, mais je voudrais que votre femme me prépare un gargarisme. Je dois lire la Bible tout à l'heure à l'office et je suis déjà vaguement enroué. C'est très curieux, d'ailleurs. Chaque fois que j'ai une émotion, il faut qu'elle me tombe sur les cordes vocales. C'est idiot. Monsieur Hubert a eu une émotion. Hier, à la chasse. Figurez-vous, mon bon Richardson, je vois un lièvre énorme s'engouffrer dans un fourré. Alors, j'ai Paul en attendant qu'il sorte de l'autre côté. Il sort, je tire, pan. C'était le setter irlandais du docteur Hamilton. Dieu merci, je lui ai juste coupé un petit bout de la queue, c'est pas très grave. Que M. Hubert se console en pensant que ça aurait pu être le docteur qui sortait du fourré. Ah, très drôle, Richardson, très drôle. Très drôle. Dites-moi, les journaux ne sont pas encore arrivés? Le facteur pédale toujours moins vite le dimanche, à cause justement des suppléments illustrés des journaux. Ça augmente le poids. Et dites-moi, il n'est pas arrivé quelqu'un cette nuit? Il m'a semblé entendre un bruit de voiture. Exact, monsieur, c'était Harry Christopher Wellington, qui revenait de Londres. Qui ça donc? Le chauffeur de taxi du village. Ah. Il ramenait monsieur Horton Green. Ah, bah ce garçon avait eu la bonne idée de repartir pour Londres. Pourquoi diable a-t-il eu la mauvaise d'en venir? Tu cherches quelque chose, maman? Oui, mon agenda de cuir noir. Il me faut absolument le nom du frère, du mari, de la sœur, de la femme de Petticoat, le maçon. Tu as besoin d'un maçon? Ben oui, pour ma pierre tombale. Ah non, maman, ça suffit. Enfin, Hubert, c'est la Bible. Oui. Quelqu'un peut-il me prêter 10 shillings, hein? Pas question de leur lâcher un billet de livre à leur foutue quête, hein. Tu as ça sur toi, fils, non? Mais naturellement, papa, oui, c'est pas pour te le reprocher, mais je te signale que tu me tapes de 10 shillings tous les dimanches matin. Ah bon? Ah ben, je savais pas que tu l'avais remarqué. Dis-moi, chérie, tu as l'intention d'aller à l'office dans cette tenue? Oh non, je n'y vais pas, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Oh, dis-moi, à propos, peux-tu me dire le nom du frère, du mari, de la sœur, de la femme de Petticoat? Oui, il s'appelle comment? Oh. Oui, n'en parlons plus. Bon, alors, puisque vous êtes là tous les deux, je voudrais vous montrer quelque chose, voilà. Je voudrais bien avoir votre avis, c'est ce que je voudrais faire graver sur ma pierre. Oui, alors papa, je te demande de faire cesser immédiatement cette farce stupide. Maman s'est amusée à rédiger sa prétendue inscription funéraire, et maintenant elle veut nous la lire, un dimanche. Oh, à propos d'inscription, on a vu une un jour qui était vachement rigolote. C'était pendant le débarquement, nous étions tous en train de ramper dans un cimetière, et tout d'un coup, je me trouve nez à nez avec l'inscription. Alors, vous donnant 1000 ce qu'il avait fait graver, le bougre. Dis-le nous, chérie, tu en meurs d'envie. Ah, j'ai jamais autant ri sous un bombardement. Allez voir, il avait fait graver, mais je vous l'avais pourtant bien dit, de fermer les fenêtres. Il avait dû crever d'une bronchite. Oh. Oui, j'avoue que je n'ai rien trouvé d'aussi drôle. Disons que je suis restée dans les formules classiques. Bon, naturellement, ce sera à toi de la faire graver, chérie. Hein? Et quand tu en auras assez de la voir, tu n'auras qu'à laisser pousser l'herbe. Hein? Voilà, alors ici repose Lady Sheila Augusta Belmont, née d'Arlington. Ah, bravo, maman! On n'appelle pas sa mère quand on en fait aussi peu de cas que toi. Épouse adorée de Sir William Belmont. Adorée te paraît correct, chérie? Oui! Tu pourrais même ajouter épouse adorée et complètement cinglée, etc., etc. Oui. Bon, d'accord, à condition que tu fasses mettre cinglée entre guillemets. Voilà, alors épouse adorée et légèrement cinglée de Sir William Belmont. Assassinée sauvagement par le ministre des Transports. Hein, quoi? Assassinée sauvagement par le ministre des Transports? Oui,
et avec un point d'exclamation. Mais c'est de la démence! C'est de l'histoire! Oh! Et si tu n'es pas content, j'ajouterai assassiné sauvagement par le ministre des Transports avec la complicité de son fils Hubert. Voilà! Voici la clé, William. Je te nomme mon exécuteur testamentaire. Bah, il s'agit de quoi, au fait? De respecter mes volontés. Ah bon? Alors, rien de changé. Alors, me fera penser que je la mets dans cette poche. Non, mais écoute, chérie, je ne serai plus là pour te faire penser à quoi que ce soit. Enfin, William, fais un effort, je t'en supplie. Hubert. Oui? Je te le lègue. Pardon? Le général, prends bien soin de lui. Après avoir assassiné ta mère, tu ne vas pas abandonner ton père. Oh, maman, maman, je t'en prie. Je dois lire la Bible tout à l'heure à l'office et je suis déjà au bord de l'enrouement. C'est toi qui dois lire la Bible à l'office? Eh ben oui, oui, le révérend Trevor me l'a demandé. Alors, quelque chose de pas trop barbant, hein. J'aime bien Sodome et Gomorre. Oui, alors aucun rapport, il s'agit de l'histoire de César. Jamais entendu parler de cette bonne femme. Hein. C'est un général, chérie. Général César? Je ne connais pas. Il est mort il y a 3000 ans. Vous n'étiez pas de la même promotion. Il est mort, César? Oui, je pense bien. Rappelle-toi, c'est celui à qui Jézabel a enfoncé un pieu dans la tête à coups de marteau. Oh, quelle horreur! Non, 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 pas Jézabel, maman, Jaël. Toi, tu crois? Oui. C'est pourtant bien le genre de Jézabel. Peut-être, 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 mais c'est tout de même Jaël. Jaël, femme de Hébert. Hébert, tu dis? Oh, j'ai bien connu celui-là. Il était de Manchester. Percival, il s'appelait Percival Hubert. Il a été mon interprète pendant 4 ans. J'ai jamais compris un mot de ce qu'il traduisait, d'ailleurs. Il avait une moustache comme un parchemin. Mais non, papa, celui-là, c'était Hubert tout court, sans Percival. Je le connais mieux que toi tout de même. Nous l'appelions tous Percy le baveux. Il parlait 14 langues, le bougre. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le même, chérie. Les dates ne collent pas très bien. Bah, j'ai jamais entendu dire que sa femme enfonçait des pieux dans la tête des gens à coups de marteau. Tu vois bien. Bah, c'est pas du tout le genre de type à supporter ça longtemps, le vieux Percy le baveux. Mais tu es sûr que c'est le même fiston? Mais par le Dieu vivant, je n'ai jamais dit que c'était le même. J'ai dit que c'était Hébert. C'est toi qui as dit que c'était le même. Autre chose, ça me revient maintenant. Petticoat. Voilà. Quoi, Petticoat? Bien, le nom du type que tu cherchais tout à l'heure, c'est ça, c'est Petticoat. Ah non, 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 chérie, non. Celui que je cherche, c'est le nom du frère, du mari, de la sœur, de la femme de Petticoat. Petticoat a épousé sa femme, comme tout le monde. Mais celui-là, c'est le frère de celui qui a épousé sa sœur. Il n'a pas pu épouser sa sœur. C'est formellement interdit. Non, 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 non. La sœur de la femme de Petticoat, pas la sienne. C'est... Enfin, c'est son beau-frère, si tu veux. Ah, mais c'est ce que je disais. Le beau-frère de la sœur de la femme de Petticoat, c'est Petticoat. Mais non! Pas le beau-frère de la sœur de la femme de Petticoat, le beau-frère de Petticoat! Enfin, le frère du mari de la sœur de sa femme. Hubert, tu pourrais me donner un coup de main. C'est pourtant bien simple. Oui, alors, attends, attends. Petticoat a une sœur. Non! C'est sa femme qui a une sœur! Ah, mais d'ailleurs, je ne cherche pas qui a une sœur ou qui n'en a pas. Je cherche un maçon. Maçon? Il n'a jamais été maçon, Petticoat. C'est le frère de sa femme qui est maçon. Mais non, papa, voilà une demi-heure que maman essaie de te faire comprendre que c'est le frère du mari de la sœur de... Mais alors, c'est la tante qui est maçon. Alors, je... Ah non, je t'en prie, Hubert, arrête, je me roule par terre. Ah non. Hubert empêche ta mère de se rouler par terre un dimanche. Mais je ne connais que lui, il a un nom facile à retenir. Oui. Comme Hutchinson, Wilkinson, enfin un nom... Garfield! Garfield! Tom Garfield! Ah, merci William, tu as été merveilleux. Il suffisait de me le demander, chérie. Ah. Richardson, vous connaissez Tom Garfield naturellement, le maçon. Très bien, milady. C'est le mari de la sœur de la femme de mon oncle. Ça recommence. Où tu famille? Alors vous êtes parents avec Petticoat, alors? Non, Sir William. Et puis-je savoir comment je pourrais être parent avec Petticoat? Non, 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 surtout pas, surtout pas. Tom Garfield est maçon, c'est tout ce que je veux savoir. Vous connaissez son adresse? Le dimanche, il habite à l'auberge des Trois Pendus, milady, à gauche au bout du bar. Mais c'est un homme qui a horreur qu'on le dérange quand il ne travaille pas. Mais dérangez-le quand même et dites-lui que c'est urgent. Il s'agit de ma pierre tombale. Tu es folle. Richardson, racontez ce que vous voulez à ce type, mais pas ça, hein. Bien, monsieur Hubert. Les journaux viennent juste d'arriver. Merci beaucoup, Richardson. Quelle milady me permette de la féliciter. Elle est vraiment très bien, très émouvante. Bah, pourquoi très émouvante? Non, vraiment pas. William,
Enfin, tu trouves que j'ai quelque chose de spécial ce matin? Oh oui, une sorte d'auréole. Qu'est-ce que tu en penses, fiston? Regarde ta mère. Ah, moi, je la trouve très belle. Ah, nom de Dieu! Ah non, il ne perd pas de dimanche. Qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend qu'il y a ta photo, là, dans ce misérable torchon. Ma photo? Non, mais tu es fou! Avec la légende écrite dessous. Voici Lady Belmonte en train de contempler sa propre tombe. Elle va se tuer lundi matin. Regarde, maman, là. Ici, là, viens. J'avais prévenu les gens de l'autoroute qu'il faudrait me passer sur le corps, déclare-t-elle à notre envoyé spécial. Et... Mais quel envoyé spécial? Enfin, je n'ai vu personne, moi, qui a pu... Mais Petticoote, naturellement. Enfin, cette photo a été prise dans notre propre parc par un type qui ne dépasse pas plus de 5 mètres de toi. Tu l'as tout de même vu, ce type, non? Oui, évidemment, je l'ai vu. Ah. Mais enfin, il m'a dit que c'était un titre de souvenir pour sa collection particulière. Oh, quel culot. Mais qui ça, Yves? Qui l'a laissé entrer? Comment pouvait-il savoir? Attends une seconde, je crois que j'ai une idée. Je demande à ma maman de te l'arracher les mains. Fais-moi voir ça. Exclusivité, Horton Green. C'est lui, c'est le pigiste. Il boit mon whisky, il mange mon pudding, il plante ma fille et il prostitue ma mère. Tu as entendu ça, papa? Mais entendu quoi? Je suis sourd. Et dans le miroir du dimanche, 1 million de lecteurs. Et dans la nouvelle du monde, combien? 6 millions. Alors, 6 millions et 5 millions, ça fait 11 millions de lecteurs. Comment, je suis aussi dans les nouvelles du monde? Non, mais en pleine page, regarde, t'appelles et toi. Fais voir, papa, fais voir. Mon Dieu! Regarde. Voici Lady Sheila Belmont, épouse de Sir William Belmont, qui se couvrit de gloire à elle à la mine. Oui, et autres localités, enfin. En train de creuser la tombe où elle reposera dans quelques heures. La voici surprise en plein effort par notre envoyé spécial. Voyou ! Debout, couchée, a-t-elle fièrement déclaré, je défendrai jusqu'à la fin des siècles le patrimoine sacré des Belmont. Vachement bien envoyé ton communiqué, chérie. Et dont l'Express, on n'a pas regardé l'Express. Mais bien sûr, mais pourquoi pas l'Express? Ce serait injuste. Et allez donc, on s'est 4-15 millions de lecteurs. Comment j'y suis? Tu penses? Cette femme au visage ras, penchée sur sa propre tombe, n'est autre que Lady Belmont. Elle va se tuer lundi matin. Elle nous a déclaré... C'est... Quoi? Que mon sang retombe sur le ministre des Transports! Bonjour, père! Bonjour, mère! Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Ça ne va pas? Je suis déshonoré! Tiens, regarde! Et il y en a sûrement autant dans tous les journaux du dimanche. Tu sais combien ça fait l'anglais en train de se moquer de moi? Au bas mot, 30 millions! Hubert a raison, mère. Que vont penser les gens? Non, vôtre, fichez-moi la paix. Vous, Lady Belmont, en train de jardiner dans une robe noire, alors que vous avez ce ravissant ensemble de tweed couleur tilleul. Non, tais-toi, non, je t'en supplie, tais-toi, mais tais-toi. Mamie! Oh, mamie, tiens-toi bien. On vient de parler de toi à la BBC. Hugues Preston lui-même. La BBC, maintenant. Et tu sais comment il t'a baptisé? Lady Harakiri. Oh! Oh, c'est charmant! Oh, j'aurais voulu que tu l'entendes secouer les puces du ministre des Transports à un vrai festival! Et ça te fait rire, toi? Oh, bah, tu parles! Pour une fois qu'il arrive quelque chose de marrant un dimanche! Quelque chose de marrant! Nous en parlerons au prochain billet de 10 livres que tu me demanderas! Mais voici ce cher monsieur Tom Green, photographe, reporter, envoyé spécial! Venez, monsieur Tom Green! Que je vous embrasse, espèce de Judas! Reptile! Dégoûtant personnage! Mais je vois que le journal du dimanche sont arrivés! Oui, une vraie bombe, mon garçon! Me rappelle le débarquement! Je vous en veux, Simon! Vous avez trahi ma confiance! Je vous croyais pourtant de mon côté! Oh, mais un bon journaliste, c'est tous les côtés à la fois, Lady Belmont! C'est ce qu'on appelle l'objectivité! Bravo, chérie! Samy! Dis encore une seule fois, chérie, à ce type, et je t'envoie une paire de gifles! Et à toi aussi! Mais j'ai rien dit! C'est pareil! Je suis navré de vous avoir déplu, Lady Belmont! Et pourtant, j'arrive pas à le regretter. Vous avez tort. Par votre faute, j'ai l'impression d'avoir remplacé Nelson en haut de sa colonne et de faire de l'œil à 50 millions d'anglais. C'est très désagréable. Mais ce sera peut-être utile, qui sait? Utile? La seule chose utile que vous auriez pu faire, c'était de vous étouffer dans votre berceau avec votre piment. J'ai été nourri au sein, monsieur. Ah, bien envoyé, moi, en plein dans l'œil. Vous savez, Lady Belmont, je voudrais pas que vous pensiez que j'ai obéi uniquement à des motifs de gloriole professionnelle en divulguant ces photos. J'ai voulu avant tout vous donner une chance d'émouvoir l'opinion publique. C'est vrai, si Lady Belmont doit s'éteindre, me suis-je dit. Eh bien, au moins que ce ne soit pas comme une malheureuse bougie dans un courant d'air, mais comme un soleil qui explose. C'est vachement poétique ce que vous dites là. Vous devriez l'écrire, mon garçon. Mais ma mère n'a jamais eu l'intention de s'éteindre, idiot que vous êtes. Et vous allez briser ma carrière avec vos photos à la com. Oh, elles sont excellentes, mes photos. Après tout, vous avez peut-être raison, Simon. Tout ça partait d'un bon sentiment. Bon, très bien.
Je vous pardonne. Pas moi. Et je vous interdis dorénavant de m'adresser la parole. Oh, je... parfait, monsieur. Je ne vous parlerai plus jusqu'au jour où je vous demanderai la main de Sabine. Quoi? Après ce que vous avez le culot de faire. Non, chérie. Il ne te la demande pas, il te dit simplement qu'il te la demandera. Ben oui, on te prévient, c'est tout. Mais c'est indispensable, monsieur. Sabine et moi sommes décidés à ne pas nous marier sans votre consentement. Enfin, sauf bien sûr dans le cas extrême où vous nous le refuseriez. Je vous le refuse. Oh non, pas seulement une fois, monsieur, trois fois. Considérez que c'est fait. Mais non, pas trois fois en même temps, trois fois en six mois. Je vous le refuse jusqu'à la fin du monde. Et si Sabine vous épouse quand même, elle ne touchera pas un seul shilling de mon héritage. Ah oui? Eh bien, toi, tu ne toucheras pas un seul shilling du mien. Ni de celui de ton père, d'ailleurs. N'est-ce pas, William? Ah là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce serait trop long à t'expliquer. Dis oui. Oui. Merci, chérie. L'incident est clos. Clos? Il ne le sera jamais, moi vivant. Jamais! Jamais! Hubert! Mon Dieu! Mon chéri! Mon chéri! Parle-moi! Qu'est-ce qu'il a dit? Aucune idée. Il dit qu'il ne peut pas parler, il s'est cassé la voix. Et comment peux-tu le savoir? Tu l'entends? Ah, j'ai jamais aussi bien entendu. Ah, ça, c'est franchement rigolo. Alors continue, fiston. Le gargarisme de Monsieur Hubert est dans la chambre de Monsieur Hubert. Oh, il vient de dire, foutez-moi le camp, espèce de niais. Très bien, Sir William. Oh, oui, je sais bien, c'est pas le moment de se faire des reproches, mon pauvre Hubert, mais est-ce que tu peux être agaçant, mon William? Oui. Veux-tu me traduire ce que dit Hubert? Vas-y, fiston, je t'écoute. Oui, il dit que dans ces conditions, il ne pourra pas lire la Bible à l'office. Eh ben, je lirai à sa place, quoi. Ils vont vachement se marrer, là. Non, mon Dieu, William, tu es fou. Oh, Maud, faites quelque chose, je vous en prie. Il ne lui faudra pas 10 secondes pour leur parler de Elle à la Mine, de Petticoat ou de Persil Baveux. Alors, lisez-la, vous. Mon Dieu, mais j'ai oublié mes lunettes à Londres. Mais lisez-la quand même. Un muet, un sourd et une myope. Mon Dieu, vous m'avez gâté. Ah. Oh, bon, ben, filez maintenant, vous allez être en retard. En passant, vous déposerez Hubert chez le docteur Hamilton. Oui. Tu en profiteras pour lui demander des nouvelles de son chien. Mais par écrit. À tout à l'heure, Charlie. À tout à l'heure. William. Oui. William, oui. Tu verras le révérend Trevor après l'office et tu lui demanderas de venir dîner ce soir. Hein. Dis-lui qu'il y a une noix farcie, il adore ça. Ah ben moi aussi. J'ai besoin de personne pour manger une noix, moi. Je sais, chérie, mais moi, je veux voir un prêtre. Mais tu es encore plus cinglé que ce que j'imaginais. Ah, tu mériterais que je te floque une bonne raclée. Oh, c'est pas ton genre, chérie. C'est pas mon genre. Bien, demande à Romain. Oui. J'arrive, attendez-moi. Alors, Simon, toujours envie d'entrer dans la famille? Oh là, de plus en plus. J'ai toujours été trop paresseux pour pratiquer le moindre sport. Ça me fera beaucoup de bien. Ah. Non, bougez pas, Gilette. Merci. Allô? Ah, ici le secrétariat de Lady Belmont, j'écoute. Ah. Sans blague. Oh, ben alors là, mon vieux, vous pouvez dire que vous tombez à pic. Ah non, non, surtout ne quittez pas. Vous avez la gloire au bout du fil, c'est Panorama. Panorama? Mais l'émission numéro 1 de la télé. Vous n'avez pas la télé? Oh, vous savez, j'ai déjà mon mari. Allô? Ici Lady Belmont. Bonjour, monsieur. Vous êtes très aimable. C'est vrai, oui, c'est vrai, les photos sont excellentes. Oui, c'est le fiancé de ma petite fille qui les a faites. Comment? Moi, à Panorama? Oh, enfin, vous croyez vraiment que ça s'impose? Oui. 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 Oui, bon, je veux bien essayer. Bon, de toute manière, si la critique est mauvaise, je ne serai plus là pour la lire. Cet après-midi vers 4 heures. C'est entendu. Comment? L'appel? Ah oui? Oui, j'ai toujours l'appel. D'accord. Au revoir, monsieur. Mais quand passe-t-elle cette émission? Lundi soir. Oh, c'est bête de la rater de si peu. Enfin, j'essaierai de me débrouiller de là-haut. Ce sera sûrement retransmis par satellite. D'un côté, un gouvernement, de l'autre, une femme.
Un gouvernement qui ne veut rien savoir, une femme qui ne veut rien entendre. L'autoroute passera, affirme le premier. Si l'autoroute passe, je trépasse, jure la seconde. Et Lady Sheila Belmont est affligée d'une solide hérédité irlandaise qui devrait faire réfléchir notre ministre des Transports. Il suffit de l'avoir vue appuyée à sa pelle pour savoir qu'elle ne cédera pas. Chère Sheila Belmont, vous êtes folle, irrémédiablement et délicieusement folle, mais si nous avions été capables de produire à chaque génération une poignée seulement de fous de votre classe, l'Angleterre boirait encore son thé aux Indes. De tout mon cœur, je vous dis à demain. Ici la BBC, vous venez d'entendre la causerie du dimanche soir de Hugh Preston. Eh ben, j'ai jamais eu autant envie de pleurer. Ah, allons, essaie de te détendre, chérie. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'estomac serré pour digérer une noix farcie. Oh là là, c'est toi. Oh, c'est toi, mère. C'est toi, elle était vraiment extraordinaire. Vrai. Elle avait encore un je ne sais quoi de plus que les autres. Oui, probablement les larmes de Madame Richardson. Elle a beaucoup pleuré dans la sauce. Comment elle a pleuré dans la sauce? Sabine, serre-nous un petit alcool. Oh. Brandy, chérie, whisky? Ce que tu veux, mais vite. Et pour toi, mamie? Oh, rien, chérie, merci. Non, j'ai déjà bu trop de vin à table. Je ne tiens pas à passer une mauvaise nuit. Non, mère, je vous en prie. Mon Dieu, Maud, mais je ne vous savais pas aussi sensible. Je me demande comment vous pouvez, dans ces conditions, vous occuper aussi activement de votre œuvre de vieillard lépreux. Mais je m'occupe du comité des fêtes. Oh. Avale ça, maman, ça va te remonter. Oh, merci, chérie, merci. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Du sherry, du brandy et une pincée de poivre rouge. Oh. C'est ce qu'on boit toujours entre copains. Oh, c'est ce que vous buvez toujours entre copains. Fais voir. Mon Dieu, ils sont toujours vivants, tes copains. Oh. J'espère que ça sera moins mauvais demain matin. Oh non, mais taisez-vous. Je sens que je vais tomber dans les pommes. Oh. En tout cas, mamie, on peut dire que t'es gonflée. Tu parles de ça comme si t'allais prendre le train. Oh, moi, j'arrive pas à m'y faire. Ben, dis-toi que si ton idiot de père persiste à te déshériter, tu seras ma légataire universelle. Ça t'aidera. Ah oui, oui, bien sûr, mais tout de même. Tiens, on va commencer tout de suite. Il est temps que je commence à me détacher des biens de ce monde. Oh, mère, c'est trop! Ah, sa vie chérie! Oh, c'est super! Mais dis merci, maman! C'est super! Merci, mère! Mon Dieu, c'est certainement le plus horrible week-end que j'ai passé de ma vie. Hein? Moi aussi, vous savez. Bon, maman, il faut absolument faire quelque chose pour mamie. On va pas rester comme ça à attendre. Mais faire quoi? Oui. Ton père a passé son après-midi pendu au téléphone pour essayer de joindre le ministre. On lui répond invariablement qu'il vient de sortir. Oh, il se débile, la vache! Sabine! Et si t'appelais tante Patricia? Ah, non, mais c'est quelqu'un, tante Patricia. Elle couche avec un type important de l'ambassade de Chine. Je te prie de surveiller tes expressions. Mais écoute, de toute manière, je ne tiens pas du tout à ce que les Chinois interviennent dans cette affaire. Voici notre jeune Absalon. Alors, Simon, où en est le général du récit de sa guerre? J'espère qu'il a franchi le Rhin. Oh, mais depuis déjà un bon moment. Maintenant, il raconte des histoires de chasse. Oh, mon Dieu, à quel âge va-t-il s'arrêter? Simon, regarde ce que mamie m'a donné. Waouh, génial! Mais je suis sûr que je t'aimerai encore mieux toute nue. Monsieur Tom Green, pas devant sa mère, tout de même. Oh là là, bon, ça va, on s'arrache. Une pièce d'eau prise par le gel sous un clair de lune romantique, t'as déjà vu ça? Ah non, je me suis déjà enrhumé dans un tas d'endroits, mais encore jamais près d'une pièce d'eau gelée. Eh ben tu vas voir comme c'est bon! Suivez-moi, jeune homme! Oh, je me demande si j'ai raison de les laisser seuls. Ce jeune homme paraît tellement... Ne rêvez pas, Maud. Il fait une température à décourager un pingouin. Je suis tout de même allé jeter un coup d'œil. Avions pour gueuler comme des hommes, rien à faire. Plus un seul chien, disparu dans le brouillard. Mais me demande si vous réalisez bien la situation, révérend... Trevor, Sir William. Aloysius Trevor. Foutu onde. Aloysius Trevor. Vous n'avez pas été gâté, vous non plus. Hein. Vous appellerez Bill, appelez vite fait. Je vous en prie, Sir William. Donc, vous aviez perdu les chiens. Exactement. Et voilà que je tombe sur un type qui ramassait des champignons.
Hola, je lui fais. Te sens toujours bien, chérie? Mais très bien, chérie, heureuse de te voir. Vous prenez quelque chose? Pas d'alcool pour moi, merci, ma tante. Avec un perroquet? Ma foi, Lady Belmont, après une noix farcie aussi succulente, je pense que quelques gouttes de whisky seraient les bienvenues. Ah, toujours cette vieille histoire de nourriture céleste. Sacré vivre. Pour moi, un petit brandy. Oh non, non, porte la bouteille, je me débrouillerai. Les cigares du dimanche, tu seras gentil. Je vais les chercher. Les auriez pas vu passer, par hasard? Pardon? Les chiens, que je demande au type qui ramassait des champignons. Ah oui! Ah, mais faut suivre, hein? Mais pour le sud que j'ai vu qu'il me fait, il n'y a pas seulement 3 minutes, il filait comme le vent, les bougres. Et le renard, il fait, il n'a pas vu le renard. Ah, mais le renard aussi était juste derrière, à pas seulement 5 longueurs. Va pas tarder à les rattraper. C'est vachement rigolo, non? Si, si, tout à fait, mais pourquoi le renard était-il derrière les chiens? Bah, il avait dû prendre un mauvais départ. Tu la connaissais, celle-là, fiston? Oh oui, papa, plutôt 10 fois qu'une. Mais d'habitude, tu la racontes avec un lièvre. Alors, à toujours avec un renard. Oui, oui. De toute manière, j'estime que le moment n'est pas très bien choisi pour raconter des histoires. Révérend, il est temps que vous ayez cet entretien avec ma mère. Au début, je croyais qu'elle plaisantait, mais maintenant, elle commence à me faire peur. Oui, oui, je la trouve... comment vous dire? On dirait qu'elle flotte déjà. Voyons, cher monsieur, il est impossible que Lady Belmont envisage sérieusement d'attenter à ses jours. C'est une femme beaucoup trop raisonnable. Mais qui est raisonnable? Maman! Ta mère est complètement cinglée, oui. Ils sont tous comme ça, dans son secteur. Vous avez jamais entendu parler de son oncle Édouard? Il se prenait pour un chameau. Mon Dieu! Dès qu'il ouvrait un œil, il se précipitait sur un robinet et il avalait 4 ou 5 litres d'eau. Et après, il allait se promener dans les rues en remuant les oreilles. Et le dimanche, il portait les gosses sur son dos, à Hyde Park. Et comment a-t-il fini? Ben, il s'est noyé dans le port de Cannes. Et il nageait comme un chameau, forcément. Au revoir, messieurs! Oh, merci, maman. Non, mais je vous en prie, continuez à parler de moi. Je ne suis pas un document secret. Justement, j'étais en train de raconter à Bill l'histoire de ton oncle Édouard, qui s'apprenait pour un chameau. Non, pour un dromadaire, chérie. Tu exagères toujours. Le dromadaire n'a qu'une bosse. Ah oui? Papa, maman, mes enfants, arrêtons de chahuter, enfin. Le révérend Trevor n'est pas venu ici pour entendre ce genre d'histoire, mais pour un motif infiniment plus grave. N'est-ce pas, révérend? Mmh. Ah oui, oui, bien sûr. Cher... Oh, non. Lady Belmont, ne croyez-vous pas en effet que nous pourrions, enfin que nous devrions, étant donné les bruits alarmants qui courent sur votre santé, avoir, vous et moi, un petit entretien? Mais c'est une très bonne occasion, en tout cas. Je vous demande simplement d'avoir encore quelques minutes de patience. Servez-vous un autre whisky, je reviens. Maman! Pas de blague, hein? Tu vas pas en profiter pour faire une bêtise? Oh, mais enfin, Hubert, quand auras-tu l'âge de raison? Hier, tu n'y croyais pas assez, aujourd'hui, tu y crois trop. Comment peux-tu espérer, dans ces conditions, faire une carrière politique? Oh! Alors, Maud, rassurée? Je suis gelée! Où étais-tu? Dehors, en train de surveiller les enfants. Oriane a craint, ils se promènent sagement. Accompagnez-moi dans ma chambre, vous mettrez mon collier d'émeraude autour du cou, ça vous réchauffera. Vos émeraudes? Oh, mère, vous êtes trop bonne! Oh, vos émeraudes! Papa, tu as entendu? Elle est en train de distribuer les bijoux de la famille. C'est mauvais signe. Révérend, je compte sur vous. Rassurez-vous, mon fils. Je saurai faire entendre à Lady Belmont la voix de la raison. Et celle de Dieu. La voix de qui vous voulez faire entendre à ma femme? La voix de Dieu, Sir William. Ben, vous avez raison. Ça peut pas lui faire de mal. Un petit coup de voix de Dieu de temps en temps. J'ai entendu un jour en Écosse, c'est vachement impressionnant. Là. Papa, tu es insupportable. Vraiment, Sir William, j'ai du mal à vous comprendre. Vous oubliez que Lady Belmont va peut-être comparaître demain devant Dieu. Oh, ben, ça m'étonnerait qu'il veuille l'en savoir tout de suite. Ou alors, il n'a encore jamais vu de mauvais poil. Il ferait bien d'attendre, si vous voulez mon avis. Papa! Il doit être rentré chez lui maintenant. Qui ça? Mais Gérard, qui avait demandé d'aller secouer les puces du ministre, il n'était pas encore rentré. 8 secondes. Allô, Gérard?
Oui, ici William. Oui. Alors oui, comment ça s'est passé, hein? Nous. Oh, bien la peine de se casser le bonnet, alors gagner des guerres. Mais tant pis. Tant pis, ben, merci, vieux. Alors, il a même pas voulu le recevoir. Il l'a fait chasser par celle Larbin, pire que s'il lui avait présenté un annuaire de Cool Girl. Pourtant, c'est quelqu'un, le vieux Gérald. Il a fini amiral d'escadre. Oui, un amiral sans sa flotte, tu sais. Le seigneur semble se détourner de nous, Sir William. Si j'échoue, que ferez-vous pour fléchir Lady Belmont? Moi, je me collerai en marron. Bon, en attendant, on va boire un verre. Hein. Occupe-toi de ça, fiston. Mais bien sûr, papa, volontiers. Révérend... Merci, mais je ne pense pas que ce serait très sage. Je me sens déjà tout remué, là. Le tableau, là, il est vraiment de travers, ou bien est-ce que c'est moi qui... Non, il est vraiment de travers, révérend. Oh, Dieu soit loué. Alors, encore une petite goutte. Ah, je me disais aussi. Mais il rentrait tranquillement chez lui, après la bataille de Edge Hill, et puis pouf! Le type qui ramassait les champignons? Ben non, le type sur le tableau, là. Il est tombé dans la mare au canard avec son armure et il a coulé comme un vieux bidon. Glou 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 glou. Je relèverai celui qui est tombé, dit l'Éternel, s'il est tombé en me regardant. Il aurait mieux fait de regarder où il mettait les pieds. Papa, tiens, révérend. Merci, mon fils. Dès que maman sera là, nous vous laissons seuls. Naturellement, c'est préférable. Vous croyez? En nous y mettant tous les trois, ce serait peut-être plus facile. Allons, voyons, révérend. Il ne s'agit pas de déplacer le piano, tout de même. Pardon de vous avoir fait attendre. Mais j'ai pensé que ça vous permettrait d'affûter convenablement votre petite oraison. Hubert, regarde, mère me l'a donné, je suis folle de joie. Ah oui, eh ben c'est pas le moment. Allez, viens, on va faire une partie de billard. Billard, mais je sais pas jouer au billard. Moi non plus, allez, viens. Ah, c'est bon, enfin, toi, viens, vas-y. Partie pour Londres. Encore? Oui, ça l'a pris comme ça. On était juste en train de... Comment? Quoi? Oui, enfin bref. Et puis alors, brusquement, il m'a dit, chérie, j'ai une idée, il faut que j'aille à Londres, et il a filé comme un lièvre. Bon vent! Ta mère et moi allons faire une partie de billard. Accompagne-nous, tu marqueras les points. Oh, mais quel point! T'as jamais réussi à faire un seul de ta vie? Non, mais dis donc, toi, tu as pas fini de discuter tout le temps? Qu'est-ce que c'est que ce genre? Veux-tu filer? Oh! Mais c'est pas ma fille, ça! Moi, quand je regarde la mère, je devrais me poser des questions. Voulez-vous filer toutes les deux? Qu'est-ce que c'est que ce genre? Allez, on se dépêche! Oh! Eh bien, c'est ce qui s'appelle dégager la piste. À l'odeur, Véran. Tu peux rester si ça t'amuse, chérie. Oh, tu penses bien que je vais pas manquer ça, hein? Alors, vous êtes en forme, Bill? Allez-y, allez, lancez la balle. Chère Lady Belmont, le jour où Moïse redescendit du mont Sinaï, tout resplendissant encore de la lumière de Dieu et portant les tables de la loi. Oh, à propos, j'avais oublié, pour vous, révérend, un petit mot amical pour prendre congé. 5 000 livres? Oh, mon Dieu! Oh, ce n'est pas vrai! Ça vous permettra d'acheter ce terrain de jeu pour les enfants de la paroisse. Il a dit 5 000 livres! Oui, mon chéri. Mais rassure-toi, j'ai tiré le chèque sur mon compte, pas sur le tien. Il manquerait plus que ça, alors. Soyez bénis, Lady Belmont. Dieu vous en tiendra compte. Pour tout vous dire, je l'espère fermement. Reste à savoir ce que vaut la livre sterling dans ces régions. On peut vendre Dieu pour 30 deniers, Lady Belmont. On ne l'achète pas pour 5 000 livres. C'est un terrible péché que d'attenter à ses jours. Tu ne détruiras pas ce que Dieu t'a donné, sinon il se détournera de toi à jamais. Ézéchiel. Tu ne resteras pas à la table des méchants. Tu te lèveras et tu viendras me rejoindre. Jérémie. Quiconque désertera mon troupeau sombrera dans les ténèbres. Daniel. Que la brebis égarée ne craigne pas la nuit, la lumière brillera éternellement pour elle dans ma maison. Isaïe. Vachement coriace, hein? Je vous l'avais prévenu. Lady Belmont, vous avez été jusqu'ici un exemple vivant pour notre petite paroisse. Allez-vous tout compromettre pour une bouffée d'orgueil? Vous ne voulez donc pas aller au paradis? Il ressemble vraiment à celui que vous décrivez aux enfants de l'école. Il n'y a aucune raison d'en douter. Ah, alors sans façon, merci, non.
Tous ces angelots joufflus voltigeant sur des nuages roses m'agaceraient très vite. Et je ne supporte pas l'art. Mais elle aime que le piano. Elle est toujours en train de taper sur son foutu machin. Et puis, pourquoi imposer le même paradis à tout le monde, révérend? Ce serait un peu comme s'il n'y avait qu'une seule chaîne à la télévision. Oh, Milady! Ah non, mon paradis à moi, c'est un endroit tranquille et verdoyant, un peu comme la Suisse, vous voyez, où je retrouverai à longueur d'éternité tous ceux que j'ai vraiment aimés. Shakespeare, Brahms, Léonard de Vinci, Caruso, Gandhi, Humphrey Bogart. Toi aussi, chérie, naturellement, en lieutenant de préférence. C'est ça, mon paradis révérend. Et si le bon Dieu n'est pas sur le pas de la porte pour me recevoir, je lui dirai deux mots. Vous blasphémez, Lady Belmont. J'ai filé droit toute ma vie, ce qui n'a pas été tellement facile, et je n'ai jamais fait de mal à personne. Si avec ça, je n'ai pas obtenu la moyenne, alors zut. William, ai-je été une brave femme, oui ou non? La meilleure. Elle a juste embrassé un kangourou dans un arbre. Un kangourou? Un jeune Australien, tout simplement. J'avais 15 ans et nous étions perchés sur une branche. Je vous jure que ce ne sont pas là les conditions idéales pour une bonne éducation sexuelle. Essayez, vous verrez. Oh, passons. Mais le scandale, Milady, qu'en faites-vous? Toute l'Angleterre vous regarde. Ce matin déjà, quand Sir William et vos enfants sont entrés dans l'église, un long murmure a couru dans l'assistance. Oui, probablement le chapeau de Maud. Ma belle-fille met généralement des choses si étranges sur la tête que les gens sont toujours un peu déconcertés. Elle a fait peur à mon chien, alors. Oh, ça a été terrible. Pardon de vous avoir interrompu, révérend. Vous disiez... Oh, rien, Milady, et je ne pense pas que dire quoi que ce soit servirait à grand-chose. Je suis... Un peu fatiguée, probablement. C'est le mois farci, Bill. Sacré bestiole. Envie de ronfler, non? Envie de prier, Sir William. Et c'est ce que je vais faire, Milady, si vous voulez bien m'autoriser à me retirer. Mais je vous en prie, révérend. Et merci de votre visite. Vous ne pouvez pas savoir le réconfort qu'elle m'a procuré. Oh. Mais si. Et ne vous faites pas trop de mauvais sang. Tout se passera très bien. J'espérerai jusqu'à la dernière seconde. Dieu ne vous oubliera pas. Que se perde une seule brebis de mon troupeau et je laisserai toutes les autres pour aller la chercher. Saint Matthieu. Saint-Luc. Oh non, bonne nuit, révérend. Et mille choses à votre charmante épouse. Mais essayez le bicarbonate, Bill. Complètement traumatisé, le bougre. S'en mettra jamais. Il serait peut-être temps que je fasse revenir les autres, non? Non. Je voudrais au contraire que tu leur dises de ne pas venir, qu'ils montent dans leur chambre dès qu'ils voudront et qu'ils me laissent. Toi aussi, chérie. Et surtout que personne ne vienne pleurnicher derrière ma porte cette nuit. Hein? D'ailleurs, elle sera fermée à clé et je me serai mis du coton dans les oreilles. M'a fait penser à Toutankhamon. Il a dû faire la même chose avant de descendre dans sa pyramide et d'accrocher l'écriteau au loquet. Toutankhamon est parti en emportant ses bijoux, chérie. Moi, je laisse les miens. Allons, va-t'en. Tu as peur? Tu as tout fait pour ça, non? Moi aussi, j'ai peur. Maintenant, c'est vraiment pile ou face. Et c'est ta faute, chérie. Tu as été trop malin. Je ne comprends pas. C'est toi qui as donné l'idée à Simon de prendre ses photographies et de les faire paraître dans les journaux, n'est-ce pas? J'ai reconnu là ton fameux coup de main pour piéger l'adversaire sur son propre terrain. Comme à Tripoli. Une belle réussite à l'époque. Embrassé devant toute ma brigade par le vieux Monty en personne. Pire que si j'avais été sa mère. Eh bien, cette fois, c'est raté. Ce n'est pas le ministre des Transports que tu as piégé. C'est
C'est moi. Mais oui. J'aurais pu reculer à la dernière seconde, à condition que ça reste entre nous, bien sûr, mais... maintenant, c'est impossible. Enfin, tu as entendu le révérend. Toute l'Angleterre me regarde. Non, mais c'est complètement dingue. C'est une vraie connerie, ton truc. Laisse tomber. Trop tard. Tu as fait ta guerre, laisse-moi faire la mienne. Allons, général. Dis-moi quelque chose de gentil et va te coucher. À demain, chérie. C'est un ordre. Ah, c'est vous, Richardson. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. J'ai entendu du bruit, j'espérais presque que c'était mamie. Vous l'avez vue hier soir avant qu'elle monte dans sa chambre? Oui, mademoiselle. Quand je lui ai apporté sa tasse de tilleul, elle jouait du piano. Oh, vous êtes sûre qu'elle n'a rien mis dedans? Dans son tilleul? 3 morceaux de sucre, c'est tout. Milady était vraiment comme d'habitude. Jusqu'au bout, elle aurait été comme d'habitude. Personnellement, je n'ai pas réussi à dormir plus de 2 heures. Nous en sommes tous là, mademoiselle. Ma femme m'a dit que c'était sa plus mauvaise nuit depuis sa nuit de noces. On lui avait arraché une dent le matin même. Eh bien, je vous parie que mamie a très bien dormi, elle. Enfin, en tout cas, si elle avait décidé de le faire, vous pouvez être sûr qu'elle l'a fait. Vous n'avez tout de même pas joué du clairon ce matin? Ordre de Sir William, mademoiselle. À 8h moins le quart précise, je dois me tenir au milieu de la grande pelouse et sonner la charge. Il n'y a vraiment qu'un général pour penser à des trucs pareils. Quelle charge? Contre quoi? L'objectif désigné est la porte de la chambre de Lady Belmont. Alors pourquoi attendre 8h moins le quart? Il n'y a qu'à charger tout de suite. Sir William répugne à employer la force, mademoiselle. Il ne le fera qu'à la dernière minute. De toute manière, Milady a affirmé qu'elle ne tenterait rien avant 8h et elle a la religion de l'exactitude. Mademoiselle ferait mieux de déjeuner. Oh non! Non, non, je ne crois pas que ça serait très correct. Mademoiselle a tort. Ça n'empêche pas les sentiments et ça amortit les chocs. Bon, bah, juste pour le principe alors. Thé, chocolat? Chocolat. Je sens que nous allons passer une journée horrible. Si seulement Simon était là. Monsieur Horton Green est rentré cette nuit vers 3h. Ah bon, vous l'avez vu? Entendu seulement, il sifflait comme un pinson. Oui, il y a des moments où ce garçon déconcerte. Toute une famille s'apprête à prendre le deuil et il siffle. Mon Dieu, ça y est, voilà les bulldozers! C'est le métier! Il aborde la côte juste avant la ferme des Garrick. Oh là là, pourvu que mamie ne me confonde pas. Quelle heure est-il? À peine 7h25. Oh, je voudrais être plus vieille de 100 ans, moi. Mon Dieu! Vous avez vu Glouglou? Pardon? Non, mais le tableau de Sir Douglas, il est d'aplomb! Je l'ai trouvé comme ça ce matin en descendant. C'est la première fois depuis 30 ans. Et le plus étonnant, c'est que maintenant, il refuse de rester de travers. Ah oui? Oh, mais c'est pourtant vrai! Et si c'était un signe? Bonjour, monsieur Hubert. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bonjour, Richardson. Bonjour, papa, bien dormi? Bien dormi? Un peu de décence, tu veux? J'ai passé la nuit à porter les couloirs pour aller secouer la porte de la chambre de ta grand-mère. Je viens encore une fois d'essayer, rien n'a fait. Par parole, mais tu manges! Oui, pour oublier. Mais le cœur n'y est pas, tu sais. Et en robe de chambre, enfin! À une demi-heure à peine de la... enfin, de la disparition probable de ta grand-mère. Tu aurais tout de même pu faire un effort pour t'habiller, non? Oh. Toi, en tout cas, t'en as fait un, hein? Si jamais mamie change d'avis et te trouve comme ça en descendant déguisée en croque-mort, ça va lui flanquer un drôle de coup. Mais je ne suis pas déguisée en croque-mort, petite idiote. Il se trouve simplement que j'ai tout à l'heure à Londres une réunion de mon groupe parlementaire à laquelle je dois absolument assister et que je me suis habillée en conséquence, point final. Ben, elles doivent être marrantes, vos réunions. Oui, ah, le Parti conservateur n'est pas une formation de rappeurs, figure-toi. Dites-moi, Richardson, monsieur Brownlow n'a pas téléphoné? Personne n'a téléphoné, monsieur. Oh, il devait essayer encore une fois de joindre le ministre. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on dit donc, Savinou? Tu as écouté les informations ce matin? Mais non, ma radio a disparu. Je croyais que c'était toi qui l'avais. Non, 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 non. Oh, décidément. C'est fou ce qui se passe comme chose bizarre dans cette maison. T'as vu Glouglou, il est d'aplomb. Oh, par exemple. Et il n'y a plus moyen de le faire tenir de travers.
Mademoiselle dit que c'est un signe. Oui, alors mademoiselle lui dit que des bêtises, comme d'habitude. Vous entendez? Les bulldozers. Laitier! Tu te crois drôle, toi? C'est bien laitier, monsieur Hubert. Il sort de la ferme des Garrets. Oh, j'aime mieux ça. 7h35, mais qu'est-ce que Bruno fabrique, bon Dieu! Non, 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 je ne peux pas rester là. Attends, je vais me ronger les sangs pour rien. Écoute, je vais essayer de parler à maman à travers la porte de la chambre. Sinon, à 8h24, très précise, Richardson et moi, nous enfoncerons la porte. Nous ferons ça beaucoup mieux avec les pompiers et plus discrètement. Oui, t'as certainement raison. Et puis Simon vous donnera un coup de main. Ah, ne me dis pas qu'il est encore revenu de Londres. Mais si. Mais c'est-tu pas une âme de boumang, il passe sa vie à revenir. Bonjour chérie, bonjour monsieur, bonjour Richardson. Encore une belle journée qui se prépare, on dirait. Opinion toute personnelle, monsieur Horton Green. Et bon goût. Oh, pardon. Oh là, c'est plus que je vous limite les choses désagréables. Mais à ce niveau, n'oublie pas ton autre nom, vous savez. Bon, je monte. Allez chercher les haches, Richardson, et que tout soit prêt, n'est-ce pas? Viens, monsieur Hubert. Toi, reste ici dans le cas où Bruno m'appellerait. Enfin seul. Ah non, arrête, hein. C'est pas bon. Dis donc, j'ai pas très bien compris ce que Richardson est allé chercher. Des haches. Des haches? Ah, mais oui, je vois, une pour ton père, une pour moi, et puis que le meilleur gagne. Non, des haches pour enfoncer la porte de la chambre de mamie, je t'en prie, hein. Plaisante pas avec ça. Et arrête de manger avec cet appétit, c'est indécent. Bah quoi, t'as bien déjeuné, toi? Moi? Oui, par raisonnement, du bout des lèvres. Mon Dieu, c'est toi, maman? Qui veux-tu que ce soit? Bonjour. Simon, tu peux fermer la bouche, c'est maman. Hein? Oh, excusez, mais sur le moment, je vous avais pas reconnu. Bonjour. Bonjour, monsieur Horton Green. Comment trouves-tu mon petit ensemble, chérie? Pas trop dépassé? Plutôt en avance. Ah. Non, mais où as-tu déniché tout ça? Mais c'est ce que j'avais apporté l'année dernière de Londres pour les obsèques de la sœur du docteur Hamilton. Mais elle n'est pas morte. Eh non. Il y a eu un mieux au dernier moment. Alors, j'avais tout laissé ici dans la penderie de notre chambre. Un coup de beau, quoi. Eh oui, eh oui. Bien fait. J'ai beau donner des coups de pied dans la porte, ça va se... Ça... Ah, 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 ah. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Et toi? Mais je vais à une réunion politique, moi je ne suis pas en deuil. Oui, bah faut le savoir. Non, 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 alors toi, tais-toi. Non, goûte hallucinant, mon chéri. On dirait belle fégore. Je sais pas comment faire, écoute, on... C'est pas... ôte-moi le chapeau. C'est un ensemble. Sans le chapeau, tout ça ne veut plus rien dire. Oui, mais avec le chapeau, il en dit trop, franchement. Je l'avais fait l'année dernière, en prévision des obsèques de la sœur du docteur Hamilton, et tu m'avais dit que c'était exactement ce qu'il fallait. Mais pour les Hamilton, qui sont une famille de snobs, maman, au contraire, a tout demandé qu'en ce qui la concerne, nous fassions les choses très simplement. Eh bien, je ne vois pas ce qu'on peut imaginer de plus simple que l'aigrette noire. Bon, ce n'est même pas un chapeau, c'est un pipi. Oui, un pipi pour obsèques nationales. Oh, et puis zut, il y a longtemps, je devrais savoir que j'ai perdu la guerre des chapeaux. Je vois pas pourquoi je discute. Moins 17! Mais ouais, papa, mon Dieu! Et Richardson! Ah, le voilà! Finalement, j'ai pris celle de la panoplie du haut, monsieur Hubert. On savait faire des haches à cette époque. Très bien, Richardson. Alors, gardez-en une pour vous, n'est-ce pas? Il y a deux portes à enfoncer, monsieur Horton Green, elles sont particulièrement épaisses. Les panneaux datent du début du 18e siècle. Ou du 16e seulement, monsieur. Bref, puis-je espérer? Tout en pointe de diamant et avec leur ferrure d'époque. Adorable. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, il faut consulter, mon chéri, franchement. Puis-je espérer qu'oubliant les divergences de vues qui nous séparent, vous accepterez de nous donner un coup de main? Et même deux, monsieur. Merci beaucoup. Waouh, c'était vraiment le bon temps, hein? Oh. Au fait, le général est d'accord pour qu'on démolisse ces portes? Il commandera lui-même la manœuvre à 8h15 très précise dès que Richardson aura sonné la charge. Moins 17, Richardson, il est temps que vous alliez sur la pelouse. Bien, monsieur Hubert. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre, papa. Oui, on va voir si je vais y arriver à temps. Mon Dieu, Hubert, ta colonne vertébrale. Ah, moi, je t'en prie, c'est pas... Repos. Tout est prêt, fiston? Oui, papa. Et commencez le compte à rebours en sortant de ma chambre encore... 90 secondes. Bon, le moral est bon, petite? Oh non, quand je pense que ma pauvre mamie... Pauvre mamie! J'ai jamais vu personne de plus casse-pied depuis Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais c'est Maud, voyons papa, tout simplement. J'ai cru que c'était un lampadaire. Bonjour, père. Foutu chapeau. Oh, merci d'être là, mon garçon. Oh, tout à fait normal, monsieur. Je crois bien que j'ai le béguin pour Lady Belmont. Vous n'êtes pas le seul. Moi, ça me tient depuis 50 ans. Je crois bien que je ne pourrais pas vivre sans elle. 10 ans, 12 ans peut-être, mais pas plus. Bon, allez-y carrément avec vos machins. C'est dommage pour les portes, mais tant pis. Mais qu'est-ce que Richardson attend pour sonner maintenant? Non, encore 8 secondes, fiston. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le clairon. Oh là là! Bonjour! Oh, maman! Maman! En robe de chambre un jour pareil, décidément qu'il n'a aucun sens du protocole. Bonjour Simon. Bonjour madame. Mais non, chérie, c'est Maud! Oh! Ah, tu vois, chérie, tu aurais dû prendre exemple sur ta mère. Votre symphonie en noir est un petit chef-d'œuvre, ma chère Maud. Vous m'aviez gâtée. Oh, mais je vous en prie, mère, c'était la moindre des choses. Oh, tu sais que l'uniforme te va encore très bien, chérie. Tu devrais le mettre plus souvent. Ah, j'ai aussi beaucoup aimé le solo de clairon de Richardson. Qu'est-ce que c'était, au juste? La charge. Te croyais en train de claquer. Je suppose que dans ces conditions, tu m'aurais fait faire le tour du parc sur un affût de canon enveloppé dans un drapeau. Hein? Trop fion, va. Alors, mon cher député. Ma mère. On se préparait à enfoncer mes portes. Et tu ne l'aurais pas volé. On n'a pas le droit de faire des peurs pareilles à sa famille. Oh, tu sais, la famille, c'est comme les tapis, il faut les secouer de temps en temps. Qu'est-ce que c'est? Ça! Ah, c'est Richardson en train de défoncer tes fameuses portes, maman! Comment, mais il est fou! Oui. Richardson! Qu'Amélie qui me pardonne! Je la croyais défunte. Mais dites-moi, c'est ma porte que vous étiez en train d'enfoncer? Oui, milady, selon les ordres de Sir William. Hein? Je suis passé par le petit escalier, j'ai attendu un moment sur le palier, puis quand j'ai vu que personne ne venait, je me suis mis au travail pour gagner du temps. Vous auriez pu au moins vérifier si elle était toujours fermée à clé. Enfin, il y a beaucoup de dégâts. Avec des haches de cette qualité, c'était fatal, milady. Bien fait. Oui, oh, tu as raison, vieux sadique. Je dois prendre ça comme une punition. Hein? Bon, emportez ces maudites haches, Richardson, et merci quand même. Ah, si vous connaissez un bon menuisier dans la région, dites-lui de venir tout de suite. J'en connais un, milady, le mari de la nièce du beau-frère de ma femme. Un petit Richardson, sortez. Hein? Un mot encore au sujet de Petticoat, et c'est le divorce pour cruauté mentale. Tu sais que je fais toujours ce que je dis. Pas toujours, Dieu merci. Tu crois ça? Maman, nous sommes lundi matin, il est 8h, et tu es toujours vivante. C'est un fait. Oh, ce n'est pas pour vous le reprocher, mais c'est un fait. Vous êtes toujours là. Parce que les bulldozers n'y sont pas, ma chère Maud. J'ai toujours dit que ce serait toi ou moi. Tu leur as fait peur, hein? Bon, non, ça m'étonne pas de toi. C'est le ministre des Transports qui les a décommandés. Absurde! Pour que le ministre renonce, il faudrait une guerre mondiale. Non, c'est pas tout à fait ça, mais presque. C'est une grève, à peu près générale. Une grève? Oui, que nous devons à Simon. Sabi, si tu n'épouses pas ce merveilleux garçon, c'est moi qui l'épouse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Tandrin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Une histoire vraie, monsieur. Je commence à avoir très peur que Lady Belmont et le ministre des Transports ne soient aussi têtus l'un que l'autre. Alors j'ai eu l'idée hier soir d'aller trouver Joe Ferguson à Londres. Le type du syndicat des dockers, vous le connaissez? Je voudrais pas essayer d'avoir l'air d'être drôle, monsieur, mais Joe Ferguson est très exactement le neveu du mari de la cousine germaine de ma mère. Oh, Petticoat! Je suis donc allé le trouver et lui ai fait remarquer quelle occasion merveilleuse il avait de déclencher enfin une grève populaire. Mieux encore, sentimentale. Et d'extorquer du même coup au gouvernement les 5 shillings d'augmentation hebdomadaire après lesquels les dockers courent depuis un an. Et ça, je dois dire qu'il a pigé tout de suite. Non, 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 vous ne voulez pas dire que les dockers se sont mis en grève en l'honneur de ma mère? Ah mais si, monsieur, par solidarité. Quoi? Depuis ce matin, 6h30, toute activité a cessé dans le port de Londres. Oh merde alors. Il paraît que ces braves garçons se promènent dans tout Londres avec d'énormes pancartes sur lesquelles ils ont écrit « Tous unis pour Sheila et pour nos 5 shillings ». Mais comment le sais-tu? Ah, Samy, oh. Simon m'a monté ta radio cette nuit pour que je puisse suivre le déroulement de l'affaire. Je dois dire que j'ai passé un très bon moment. Eh bien, tu en as fait des choses, Samy.
cette nuit. Ah, mais il y a des nuits comme ça. J'ai même remis le tableau de Glouglou d'aplomb. Oh, Rambo, chérie, tu es Rambo. Rambo. Il me semblait bien qu'il me rappelait quelqu'un, le bougre. Oh, me rappelle Tripoli. Oh, papa, je t'en prie. Enfin, est-ce que tu te rends compte que c'est la fin de ma carrière politique? Il ne me reste plus qu'à démissionner. Eh bien, comme ça, tu pourras prendre un métier honnête. Oh, bon. Je serai toujours près de toi, Hubert. Oui, oh, je t'en demande pas tant. Monsieur Horton Green, vous êtes un menteur. Si la moitié seulement de ce que vous dites est vrai, je le saurais depuis longtemps. John Brownlow m'aurait téléphoné. Ah, il a sûrement essayé, mon chéri. Mais notre ligne est aux abonnés absents. Quoi? Mais qui s'est permis? C'est vous! Oh, c'est encore vous, espèce de photographe gauchisant! C'est moi qui demandais à Simon de le faire. Je tenais tout de même à dormir pendant quelques heures. Allô? Allô, allô, les abonnés absents? Ici Hubert Belmonte, député. Oui, Belmonte, comme la dame des dockers. Oui, je suis son fils. Dites-moi, est-ce que Monsieur Brownlow a téléphoné? Combien de fois dites-vous? Il a laissé un téléphone, je peux le rappeler? Passez de moi, priorité absolue! 11 fois. Il a téléphoné 11 fois! Dis-lui de rappeler à Gladys que je déjeune avec elle demain au Savoy! Au Savoy, hein, tu crois ça? Demain, tu n'auras que ton chapeau à bouffer! Allô? Allô, Brownlow? Oh, c'est gentil d'avoir pensé. Alors, dites-moi, où est-ce que nous en sommes? Comment? Attendez, j'entends mal, là. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ne me dites pas. Oh, c'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu. Le ministre est en route. Il a quitté Londres il y a 20 minutes. Il vient ici? Mais où crois-tu qu'il va? Il y a la mosquée. Il veut te voir de toute urgence. Je ne reçois jamais le matin. Mais moi non plus. Maman, je t'en prie. Enfin, il s'agit du ministre des Transports. Ça commence à bouger partout, à Liverpool, à Glasgow, à Southampton. Ils veulent tous là. Lady Belmont et leurs 5 shillings. Voilà. Voilà ce que tu as réussi à obtenir avec la complicité de cette espèce de... De gendre, papa. C'est maman, chérie. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de Sabi. La mienne, monsieur Horton Green, c'est la mienne que vous allez avoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu as contre Simon? Il a sauvé la vie de ta mère, non? Et puis ce ne sera pas le premier photographe anglais à faire un beau mariage. C'est le petit-fils de tête de l'art. Et d'ailleurs, c'est très simple. Ou tu cesses d'embêter ses enfants, ou je flanque ton ministre des Transports à la porte. Parole de Lady Belmont. Mais c'est du chantage. Oui, c'est rudement plus amusant que les œuvres paroissiales. Alors? Très bien, je cède. Mais je vous demande de faire très attention à ce que vous allez faire et de ménager la couronne royale, monsieur. Merci, papa. Merci, monsieur. Je vous promets qu'ils ne le regretteront pas. Qui ça? Eh bien, Sabi et la couronne. Mais où va-t-il encore, celui-là? Chercher son appareil photo. Il est temps qu'il commence à gagner sa vie. Mais le ministre est venu ici incognito. Monsieur Horton Green, monsieur Horton Green. Lady m'excusera de la déranger. Il y a là un homme très mal habillé qui veut la voir. Oh, encore un de ces maudits vendeurs de Bible. Bon, donnez-lui un peu d'argent et faites-le partir. Bien, Milady. Combien d'argent à peu près, Milady? Il dit qu'il est ministre des Transports. Alors ne lui donnez rien et faites-le entrer. Très bien, Milady, mais il a une cravate qui ne va pas du tout avec son costume. Va pas l'inviter à déjeuner, hein. Il n'y a rien de plus barbant que ce genre de type. Ah, papa, je t'en prie, c'est pas le moment. Et toi, maman, attention à ce que tu vas dire. Ne va pas dire n'importe quoi. Non, 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 rassure-toi, tout ce que j'ai à lui dire, c'est que s'il refuse leurs 5 shillings à mes petits dockers, je me tue lundi prochain. Maman, non. Monsieur le ministre des Transports.